Sali cher internet partout dans le monde, Sika Bizubino, Nebi ke bon mesana toujours ko landa chaîne YouTube Nabiso MD Télévision, Masumu de Brende TV, et pa yuwa pi bozwa kaba information a kitoko pe bolanda kaba image a kitoko o bo sepe la kana yango. Ezali wabino loma triple façon ngambe lengubu, bobi ke ngala linga koloba mingi tel ngande mingi ba image elobana esika na ngai. Kasi mokola lelo tolingi kolakisa bino milulu ya minene oyo esalemaki bongo na mokolo ya lomingo le 12 décembre 2021 na Institut Tumbaku Dianzai na territoire ya Mbanzangungu na mboka Tumba Mission na Congo Central. Batangi ya kala pe ba invité ebele bayaki pona kosepela na 100 ans d'existence ya Institut Tumba oyo esalemaki na frère des écoles chrétiennes na kombo ya Jean-Baptiste de la Salle. Et pa yuapi tomonaki bongo mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepe azalaki bongo na kati ya mululu yango pamba te mwana mboka président de la République yepe atanga bongo na kati ya école Tumba Mission et pa yuapi kutu tango babande ko sala tango babande ko tanga na équipe na bango ya bale ya école yazaki bongo gardien de but et puis pendant que tu bien zaki bongo passe donc mululu wana ezaki vraiment mululu moko ya kitoko pe ya sengo mingi pamba te batu ebele bayaki bautaki bipai na bipai pona koya ko sepela na 100 ans ya Tumba Mission et sengo ezalaki ya koleka pe nyoso elekaki malamu mingi koleka to singi na bae oyo batanga na Tumba topé ba yebi Tumba batala ba image oba mona bango moko 100 ans après ni ne sale magina kati total. Nous avons une association qui a un comité. C'est au niveau du comité qu'on peut arriver à énumérer les perspectives d'avenir que nous avons. Mais nous voulons que cette école aille de l'avant à tout moment. Elle a été une école de grande formation, comme l'indique d'ailleurs le nom Tumba, parce que Tumba en Kindibu, ça signifie repère. Donc c'est vraiment le repère. En lingala un peu, le résumé. Nazalia ou Angai, Nazalia ancien élève de Tumba, François Lundzitisa, Nazalia étude nanga nyonso, primaire na secondaire. Naye awa pona centenaire ya école, oyo et formati biso. Et là, comme tout, yanazana ngona nzoto nanga, ils allaient des formations oyo, ba frère, ba pesa kinga awa. Yango pe permeta kinga yina na kuma na niveau na kumi. C'est grâce à cette formation. Nous sommes au four et moulin alors, mais tout se passe bien jusqu'à. Mais c'est Tumba qui nous a formés. Moi, personnellement, j'ai terminé cette Tumba. Donc, ce que nous avons comme formation, c'est Tumba. Dans la situation, je suis le président général de la CNF. Mais par rapport à l'organisation ici, je suis le président de la commission d'organisation. Est-ce que je peux vous demander de me faire un message parce que là, je suis à Tumba. Bon, c'est d'abord une joie de faire voir que le Congo central, de par son enseignement, est la province qui a donné le plus de cadres dans cette république. Je voudrais aussi rappeler que la majorité de ces deux premiers pionniers de l'indépendance ou de la première république sont en majorité ceux qui ont été formés dans les écoles du Congo central. Et donc l'expression aujourd'hui, assez centenaire, de voir le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, lui-même, un des produits du Congo central, ne peut que aujourd'hui exprimer cette joie et par la même occasion encourager d'ailleurs la notabilité de la province et par ses vertus que nous avions connues, le ramener à la solidarité, à la cohésion pour récupérer cette place de première que nous avions toujours eu au niveau de l'interprovincial. Et par la même occasion aussi remercier le chef de l'État de bien avoir voulu rehausser de sa présence cette manifestation pour effectivement confirmer que le Congo central reste les bastions de la formation académique.
C'est toi qui mets au cœur des hommes, Seigneur, les désirs de te consacrer leur vie, et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi les frères des écoles chrétiennes qui t'appellent à ne chercher que ton royaume, qu'en renonçant eux-mêmes pour suivre les Christ humbles et pauvres, ils se dévouent à ton service et à celui de la jeunesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il vise et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Cela fait 100 ans de présence, d'apostolat, de service pour l'éducation de la jeunesse ici à Tumba et au sein de l'Institut Tumba Kunda Yazai. Les célébrations du centenaire, inaugurées le 15 mai 2021 à Kinshasa, se clôturent aujourd'hui à Tumba. Je voudrais d'abord ici, en ma qualité d'administrateur apostolique, sede vacante et ad nutum sancte sedis du diocèse de Matadi, et au nom de notre bien-aimé Son Excellence, Monseigneur Daniel Landou Mayi, évêque émérite de Matadi,
Tadi, je voudrais donc dire un grand merci aux frères visiteurs, puis Tsukula Bavingidi, et alors à l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, Asanef en sigle, qui ont bien voulu organiser ces célébrations pour honorer l'œuvre des frères, ici à Tumba en particulier, et dans notre pays en général. Passage ici, je puisse encore
y revenir. Et la cerise sur le gâteau, c'est que jamais je n'aurais imaginé que la prochaine fois où je refoulerai mes pieds sur ces lieux, je le ferai en tant que président de la République. Un grand honneur, mais aussi et surtout une grande émotion de retrouver cet endroit qui a gravé ma mémoire, je dirais même ma vie, car c'est ici que j'ai fait mon cycle d'orientation. Et donc, c'est ici que j'ai reçu l'orientation de ma vie. L'Institut Tukuza, comme nous l'appelions à l'époque, l'Institut Tumba Kunda Diazai, en réalité, donc le diminutif c'est Tukuza. C'est vraiment le temple, le siège de la sagesse. Quand vous avez eu la chance, moi je dirais la bénédiction de passer par ici, vous ne pouvez pas être médiocre dans votre vie. C'est impossible. Même si vous êtes passé pour un seul trimestre, vous ne pouvez pas être médiocre. Vous prendrez un tout petit peu de cette sagesse et elle vous guidera pour le restant de votre vie. C'est pourquoi je n'ai jamais oublié ces lieux, je n'ai jamais oublié les odeurs, les bons moments passés avec les amis, ces amis que je vais sûrement retrouver ici après cet événement. On ne peut pas oublier les professeurs qui nous ont encadrés, les responsables. À l'époque, il y avait, à mon époque, il y avait le frère Bernard, nous le surnommions affectueusement Molin. Je termine mon cycle d'orientation. Malheureusement, il n'y avait pas la section littéraire ici, c'est pour ça que j'étais parti. Quelques mois avant de terminer, il y a eu le frère Makanzu, à qui je voudrais aussi rendre un hommage particulier, parce que j'apprends aussi qu'il n'est plus de ce monde, malheureusement. Lequel frère Makanzu, j'ai retrouvé un peu plus tard à l'Institut Alimba. Vous voyez que je suis vraiment gravé pour être dans les écoles des frères, des écoles chrétiennes. Vraiment, je suis heureux d'être ici, très ému, comme je le disais, et un petit peu triste, parce qu'on m'a dit, on m'a donné des nouvelles assez attristantes pour, au sujet de cette école, qui a perdu beaucoup de ses qualités, beaucoup de sa saveur. Nous, à l'époque, nous avions une salle d'instruments musicaux, nous avions le cours de solfège, nous avions une salle de gymnastique ici, un réfectoire dans lequel nous mangeons trois fois par jour, un dortoir, n'en parlons pas, qui était très bien équipé. Nous, on avait qu'à amener nos draps, il y avait tout, matelas et lit. Il y avait des douches, bon, c'était en plein air. Je me rappelle que la période des Langa, Tozara, on n'a pas si. C'était tellement merveilleux, c'était des souvenirs merveilleux et inoubliables. Et je crois qu'avec les amis, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de nous rappeler de ça, de ressasser le passé. En tout cas, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement. Je tiens vraiment et de tout cœur à les remercier, parce que c'est grâce à cet événement que j'ai pu, 42 ans après, retrouver. Donc, premier président Beto,
première dame Beto, deuxième première dame Beto, Fumaiti Metianga na Beto, donc province Moussa Samouriakele. Il y a un peu de province Moussa Samouriakele, mais tout le monde est élevé. Mais tout le monde est élevé, mais tout le monde est élevé. Le président Metouba, le président Metouba, qui est élevé, qui est élevé, qui est dialogue dans le mois de janvier. Sans pas pour dire que vous avez, faut que vous soyez là pour dire que vous avez. Président de Dynamique Toumba, l'association des anciens élèves et enseignants de l'Institut Toumba Kouda Diazaï, siège de la sagesse. En fait, je suis collégionnaire du président de la République parce qu'il a étudié avec nous ici et il est membre de notre association, membre effectif et actif de Dynamique Toumba. Et aujourd'hui, notre alma mater totalise 100 ans. 100 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Donc, c'est des circonstances de joie, ça s'est fait. On ne vit ça qu'une fois dans la vie, vous savez. Donc, ça s'est fait et on l'est fait.